Salut les tapeurs épisode 56, on recommence à zéro. Entrée de tournoi, regardez, c'est pas ici, c'est ici. Entrée de tournoi pour les améliorations d'armes. Le moins important, mais important quand même, hein. Ça nous donne du DPS. Donc, on crache pas dessus. Vous avez, vous avez vu, gérer un bonus sur euh, le multi-spawn d'effet. Alors, entre le 55 et le 56, il n'y a pas eu beaucoup de temps de jeu parce que le 55, enfin, le 55, c'était hier. Là, je suis sur le 56. J'ai eu un petit peu euh, de retard par rapport à Noël. On reprend le bon rythme jusqu'au premier. Du coup, regardez. Euh, mon temps de jeu, mais euh, mes prestiges, c'est pas là, c'est là, hop, voilà. Donc, j'étais, euh, regardez, à euh, 39 jours, 3h42 de jeu, donc 39 jours, 4h. Je suis à 39 jours, 11h30. Ça nous fait donc à peu près 7h, 7h30 de jeu. Non, 7h de jeu, 7, 7 h minutes de jeu, donc voilà. Il n'y a pas eu beaucoup de temps de jeu. Donc, regardez, j'étais à 540 euh, prestiges, je suis à 5, 5, 543 prestiges. Donc j'ai prestige trois fois. Entre les tournois, ce que je fais, je vous l'ai déjà dit, je j'augmente le livre des ombres. Tout le reste, je n'y touche pas. Donc mon livre des ombres était 1,5 million. Il est passé quasiment 2 millions. Voilà. Je n'ai pas pu, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 55, si vous avez suivi, je n'ai pas pu vous fermer un artefact. Si je peux, euh, je vous le ferai en, en un tournoi. Je ne pense pas sur celui-ci. Dorénavant, je pense, vu le coût des artefacts, qu'il y en aura un tous les deux tournois. Voilà. J'essaierai de faire ça. Euh, je, si je peux vous faire tout le temps, je vous fais tout le temps. Sinon, j'essaierai de vous le faire au maximum à 1 sur 2. Ce serait quand même pas mal. Donc le prochain, ce serait le tournoi euh, des points de compétence. Où je vais tout débloquer. Comme je vous l'ai expliqué, je vais euh, crafter le dernier item. Euh, L'épée. Euh, Celle-ci. Voilà. L'épée. Tout dégâts pour le set nécromancien. Finir ce set. Avoir le bonus. Et créer. Enfin, enfin, changer de build pour un build ténèbres éternelles. Donc, petit tour rapide, du coup, du, de mon compte. On rentre en tournoi, on vérifie tout ça, on check tout ça, on, augmente, on commence à augmenter les artefacts, et après, je vous laisse là-dessus. Donc, regardez, mon max-stage est ici, 15 135. J'avais push d'environ 800 paliers, à peu près, euh, sur le tournoi d'avant. Donc, j'ai 73 artefacts obtenus, pas découverts. Hop, voilà. Je euh, tac. J'ai mon dernier euro débloqué, c'est Sawyer. Le petit tour sera donc le prochain à être débloqué, un hein, DPS. Magie. Magie. On continue avec... Mon équipement, donc j'ai mis clic, hein, vous avez vu, j'avais 61 équipements par terre, j'ai mis clic, hein, comme une grosse merde, comme d'habitude, j'arrive pas, je n'arrive pas, c'est très très rare euh, de ne concentrer pas cliquer, etc. Tôt ou tard, j'ai mis clic, j'ai mis clic, il y a quoi, une demi-heure avant de faire la vidéo, voilà, je voulais être petit et faire ça, en, je, voulais, je voulais faire ça en vidéo, donc malheureusement, voilà, bah vous l'aurez pas, donc ce que j'ai eu j'ai eu un légendaire, je vous le montre tout de suite c'est euh, l'aura qui se trouve là le boost d'épée, le Quake Dragon vous vous rappelez avant j'étais avec l'anguille sous roche euh, x20 assez en boost d'épée avec ça comme bonus, voilà maintenant j'ai eu celui-ci qui est très bien, qui est très bien voilà, j'ai eu euh, le Quake Dragon avec un x103 assez boost d'épée avec ça comme bonus donc là je vous dis que avec le bonus du tournoi multiple, euh, fait multiple et cela. Ah, de la fée, je vais en bouffer. Ah, hein. <laughs> c'est sûr. Donc, mon épée, regardez, tout dégâts, bonus, clone des ombres, la tête, dégâts des attaques d'épée avec un bonus, dégâts sur boss, dégâts sur boss, boss. Euh, le, le torse hors des boss avec ça en bonus. Laura, donc on vient de la voir à l'instant. Et ma rémanence, c'est maillon de chaîne. J'ai looté, je crois, si mes souvenirs sont bons, il y a très peu de temps. Euh, dégâts du clone des ombres avec un portard en bonus et chance de crit. Euh, mon équipement euh, crafté ou looté. Donc je suis sur cette nécromancien qui est fini parce que je vais pouvoir le faire très prochainement. Donc c'est comme dans ma thèse, c'est comme s'il si était fini. Je vais bientôt passer sur un bulle ténèbres éternel. Je vais lâcher l'embuscade. Donc voilà, légendaire. Donc, ça, comme je vous expliquais, je ne le crafte pas sur ce tournoi-là, mais sur le tournoi euh, de dimanche. On est quel jour aujourd'hui On est mercredi, hein. Voilà, je ne suis pas fou, on est mercredi. Donc, sur le tournoi de dimanche, dimanche, ce sera les points de compétence. Je vais crafter, du coup, ce euh, fameux finir, finir hein, ce fameux 7 nécromancien Légendaire, vous le savez maintenant si vous suivez la série. Euh, mon rouage dans le chenet est fini. Et j'ai fini aussi anniversaire d'or. Le reste, regardez, je le laisse venir tranquillement je ne dépense pas de charme pour ça donc vous avez vu le Capitaine titan qui m'est très fini il a 3 sur 5 le gardien de givre 1 sur 5 euh, titan attaqueur 1 sur 5 L'Ancien Sortilège, je n'en ai pas du tout et j'ai deux platinium anniversaire et voleur d'ombre qui vient de sortir je n'en ai pas rare comme d'habitude regardez j'ai je n'ai pas encore toujours depuis un moment maintenant, la tête de minuit raven. Ouais, je l'aurai tout tard, tant pis. Au final, un jour je vais craquer. Ça me coûte 9 et je, je vais les lâcher. <laughs> voilà pour l'instant, je suis pas à ce point là, mais à tout tard, je me connais. Ça va peut-être me démanger. Euh, pour l'instant, c'est pas le cas. Regardez le saison slid, il est fini. Le saison slid fini. Euh, du coup, j'ai mon hors des boss, le bonus qui est activé. Donc j'ai les 5 derniers 7 sorties, événements. Tout le reste, le jeu n'existait Mon compte n'existait pas. Donc du coup, je n'ai pas pu les looter. Je pense que le bourreau des cœurs sortira pour la Saint-Valentin, donc en février. On pourra récupérer celui-ci. Après c'est pack, etc. Voilà. Euh, du coup, on a fini avec ça. Regardez, mes familiers sont au niveau 936 avec un tout doux niveau 115. Tout en bas, j'ai Toto niveau 44 et je suis équipé avec un bubule niveau 50. Donc, comme je vous le disais, mon livre des ombres est passé quasiment 2 millions. Donc, c'est pas mal. Je n'ai pas regardé euh, si j'étais à jour par rapport à ça. Et je vais donc le faire tout de suite. Donc, en même temps, je vous montre mes artefacts qui n'ont pas bougé du coup, entre temps. Et en même temps, je regarde pour vous où j'en suis par rapport à. Mon boss. Alors, je vous montre en même temps mes artefacts. Je fais deux choses en même temps. Je suis ouf. <laughs> J'ai réussi. Alors voilà. On finit les artefacts. Et après, je vous dis où j'en suis. Voilà. On arrive à la fin. Il va falloir que je augmente mon élixir de... d'Aden. De parce qu'il est vraiment très bas. Mon élixir. Par rapport aux dégâts du clone des ombres. Il est vraiment très bas par rapport à la toxine. Donc hop, voilà, on remonte tout en haut. Donc, je suis palier exactement 15 135 et mon boss est 2 millions, on va dire. Allez, pour avoir un chiffre rond. Palier 15 000, mon livre des ombres devrait être à 1 million 2. 000 000. Palier 16 000, il devrait être à 4 millions. On va dire que je suis au début du palier, je pense être bien, puisque le 15 000, c'est 1 million 2, 000 000, et le 16 000, c'est 4 millions. Donc là j'ai envie de vous dire que je suis plutôt correct. Voilà. Mais il va baisser, du coup je vais baisser parce que je vais augmenter mon... Logiquement, logiquement. Je vais augmenter mon max stage. Donc du coup, bah je vais... Euh, logiquement, hein, euh, tout dépenser dans les artefacts hors le boss. Donc du coup, voilà. Je, veux... je vais perdre un peu en avancée. Mais c'est pas grave puisque hors tournoi, je... Euh, mais tout dans le boss Ma... Mon... Ma vidéo arrive très très vite, très bientôt euh, Dans les jours qui suivent là Logiquement elle arrive avant 2019 Voilà, la vidéo sur le tournoi J'explique je plein de petites choses cohérentes et concrètes Voilà euh, Du coup, ce que je vais faire c'est entrer dans le tournoi tout simplement Alors regardez là je suis à 15 000 de palier Donc là vous avez vu, là je suis à mon, mon... mon palier de farm Donc quasiment 15 000 Sachant que je suis 15 000 135, je vous expliquerai aussi le point de femme, etc. Dans les vidéos. Voilà, dans ma vidéo du tournoi. Donc j'ai gardé ça pour euh, essayer d'optimiser un peu du coup euh, mon entrée de tournoi. Sachant que les, les, le, le tournoi comme celui-ci pour les armes, je ne me prends pas trop à la tête. Ainsi, hein, je rentre, je craft direct ce que j'ai à crafter, etc. Voilà, mais là, vu qu'il est là, bah, je l'attends. Donc, regardez, on va rentrer dedans, c'est parti J'arriverai avec plus de 10 200 de paliers et je vais avoir 424 AB de reliques. donc c'est pas négligeable vous avez vu hein 424 AB et je mets environ 50 minutes arrondissons à 1 heure c'est plus simple je mets une heure pour aller à mon maxtage. ça commence à être beaucoup et j'ai 400 AB regardez le prochain il est à 5, il est à 6 AC donc je vais quand même faire pas mal de prestige et pas mal, pas mal de temps de jeu du coup pour avoir le prochain. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que j'aille push pour gagner bien plus de reliques et moins m'embêter du coup à aller chercher le prochain artefact. Donc c'est pour ça que sur le prochain tournoi, je pense l'obtenir. Allez, on rentre dedans. 3, 2, 1. Hop. J'ai cliqué. Allez, 3, 2, 1. Hop. Voilà. Allez, en prestige, ça nous fait rentrer dedans. Regardez-moi comment c'est magnifique l'auto-évolution des héros. Regardez. Bam, 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 Oh là là, c'est trop stylé ça. C'est trop stylé. Je kiffe, il rien à faire du coup. On fait juste ça. Donc je vous le répète, hein, je mets... J'ai encore, des... encore des questions par rapport à ça. Je mets toutes mes compétences niveau 1 jusqu'à très très loin. À 90% de max stage. Je n'utilise je... que ça. Et du coup, par contre, mon, mon clone, je le mets niveau 25, donc niveau max direct. Ensuite, je claque les 4 compétences sur les de feu pour l'instant, qui ne me sert à rien. Et le, la, le Kermidas. Je prends tous tout les héros possibles et imaginables. Et là, je vais, donc je petit pas à fond, hein, parce qu'il faudrait changer d'équipement, etc. Voir qui me rapporte le plus par rapport à la caisse de clan. Merci à toi, Robinol pour la caisse de clan. Mais là, voilà, j'ai activé mes compétences. Mad midas est activé je claque la caisse de clan voilà encore merci à toi Robignol voilà et je et je j'augmente voilà mes derniers héros donc voilà donc là on va aller voir tout de suite où on est par rapport au tournoi mes adversaires mon temps de jeu, donc vous avez vu, il me reste 22h30 de jeu, de tournoi. Euh, donc il finira 2h30 plus tard qu'à que, que, que l'heure actuelle. Euh, sachant que, bon, bah, c'est pas grave, j'aurai un petit peu le temps de jeu quand même. Mais déjà, on voit quoi Regardez le premier, il a 15689. Je vous rappelle que mon maxage, il a 15135. Ça pique Ça pique un truc de fou et ça, logiquement, c'est Taiwan comme, euh, comme drapeau, si mes souvenirs sont bons. C'est un Taïwanais. Ils sont trop chauds là-bas. Trop chaud. Bref. Du coup, lui, regardez. 15 600. Mais waouh, mais c'est un délire. 15 737. 15 526. Donc, moi, mon petit 15 100. En dessous, de 15 800. Mais, attends, mais attendez. 15 900 quasiment. Waouh. Wow ouais. Ah lui, le pauvre, il est encore en dessous de moi, lui. Mais la plupart, donc dans le top 9, il y en a 7 qui sont euh, 600, voire 700 paliers au-dessus de moi. Ça voudrait dire techniquement que l'algorithme estime que je peux monter là-haut. Donc euh, j'estime être un peu optimi Un petit peu optimisé quand même. J'estime connaître un peu le jeu. Comment je peux monter aussi haut Mon palier, quand je suis à 15 000. Alors, voilà. Quand je suis à 15 135. Avec Doom claqué Avec euh, Comment ça s'appelle La poussée Draining claqué Ça va pas plus haut Ça va pas plus haut J'estime aussi Que mon build Il est pas dégueulasse Sachant que pour l'instant Je peux pas utiliser Encore H Donc tir d'ancrage AS euh, Un Chronic Shoot euh, Ça sert à rien Surtout avec, avec le nombre de PC que j'ai Utiliser H Pour pousser Ça sert à rien euh, Où est-ce que je pourrais Être le plus opti Ici dans ce build là Franchement Je vous dis la vérité Je ne sais pas je ne sais pas. Ouais. Alors après, est-ce que le jeu estime euh, que vu que je peux crafter euh, le set nécromancien, est-ce qu'il estime que, ouais, bah, Ada, t'as qu'à le crafter, tu aussi au... Euh. Donc j'ai envie de vous dire que je vais me battre quand même, mais je vais pas aller crafter ça juste pour ça. Moi, je veux euh, être premier pour les points de compétence et pour les shards. Euh, comme je l'ai été donc, le, dans le dernier tournoi, donc voilà moi je vais pas crafter ça pour l'instant euh, sachant que l'algorithme est assez vague mais vous comprendrez enfin vous comprendrez ma vision des choses dans la vidéo du tournoi qui sort je vous l'ai dit hein, je me répète très très bientôt je suis sur la finalisation donc voilà là je prends hyper cher niveau ms mais bon on a déjà vu des vidéos où je Je partais de loin mais au final euh, voilà ça allait, j'ai fini ses premiers. Mais là quand même, là quand même quand on regarde quand on regarde bien euh, ça pique hein. Regardez mon maxtage, il a 15100. Regardez rien que lui, même pas lui, donc ça va lui encore correct, mais lui 15500, il est en dessous de moi, regardez. 15800. 15800 et moi je suis à 15135. Ça veut dire qu'en gros, il faut que je push encore de faut que je Alors pour le rattraper. Il faut que je pêche de 700 paliers, 100 nouvel artefacts et en plus de ça, il va falloir que je pousse ce palier puisqu'au final, si je le rattrape, ça sert à rien. Lui, il va aller tranquillement à son max stage puisqu'il peut y aller, il a déjà fait. Ouais, bah c'est pas cool, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Euh, du coup, euh... j'en étais ou ce que du coup, je suis perturbé. Ouais, voilà. Si je vais augmenter, non, attendez, déjà je prends ça, voilà, hop, l'arme de héros, voilà. En même temps, on va aller voir où j'en suis par rapport à ça. On n'a pas fait Statistique, Vous avez vu 4-7 complétés. Pour le cinquième, combien il m'en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Encore 16 armes de héros. Donc, même si je finis premier, on va voir tous les prix. Premier à contester, ça m'en fait 18 armes de normal et 14 du destin. Donc, peut-être que si je finis premier. Je, logiquement, je passerai 5ème set complété des armes de héros. Voilà. Pour l'instant, on en est loin, loin, loin. Voilà. Alors, euh, on continue. Donc, vous avez vu que j'ai aujourd'hui beaucoup de reliques, quand même. 424 AB de reliques. Si je mets tout dans le boss, regardez, ça me fait 105 niveaux. Euh, 105 000 niveaux de gagné. C'est pas le but là, puisque je suis en tournoi, donc je vais devoir augmenter. Mes artefacts pour pousser tout simplement mon max stage. Alors, euh, sachant que mon, mon livre d'ombre est bien up, donc ce que je vais faire, c'est faire un tour euh, de 5% sur tous mes artefacts pour les monter, tout simplement. Parce que regardez bien, rien que ma pierre de Valrune, juste pour comparer, je suis actuellement à 10 millions de level avec ma pierre de Valrune. Si je mets juste 5%, regardez, ça lui met 5 millions dans la tête. Ça lui met la moitié déjà de son niveau. Donc là, mes artefacts ne sont pas à jour par rapport à mon boss. Donc j'augmente tous mes artefacts. Donc je vais faire un clic sur chaque pour prendre un, une, une, une puissance globale de mon compte. Niveau or, niveau dégâts, etc. Voilà. Donc je vais faire ça sur tous les artefacts sauf le livre des ombres. Regardez, Valorine qui a passé à 15 millions. Voilà direct. Le coffre, regardez, il est passé à 11 millions. Bouclier héroïque, 13 millions. Prophétie 1,7 million. Christos Ball, 12 millions. 10 millions pour la Grande Fée. 12 pour Neko Sculpture. Boussole, 12 millions. Donc là, j'ai augmenté tous mes revenus d'or déjà. Ensuite, on était à épée céleste. Regardez, elle est passée 1,6 million. Rétribution divine, quasiment 3,5 millions. Regardez, Marteau de Livronne, il va passer à 21 millions. Vous avez vu Samosek qui passe à quasiment 4 millions. La Vengeuse à 20 millions. L'écrite. Les Pace qui passe à 3, ,3 millions 3, c'est énorme. Regardez ce qu'il y a à prendre l'âme de héros, épée des tempêtes, art des furies, charme des anciens, et même qu'est-ce que derrière mettre. Regardez Hop, 18 millions, 18 millions, 17 millions, 18 millions, 18 millions, 18, 17 millions. C'est énorme. Les dégâts des familiers 3 ,2 millions 2. Donc, charme Oriane, regardez quasiment 10 millions. Le cœur des tempêtes, donc lui j'avais bien augmenté, donc il n'a pas beaucoup bougé, c'est logique. Pareil pour Apollon. Book Doré Portara, dégâts furtifs, c'est donc dégâts inactifs et tout dégâts. Même si le multiplicateur est plus bas, il est moindre, c'est quand même tout dégâts. Donc on augmente ça. Regardez, il passe à 16 millions. Ah non, je me suis trompé, c'est là. Hop, voilà. 16 millions pour Portara. Et donc du coup, 16 millions aussi pour Cœur Corrompu. Pour les dégâts de zone. Durandan, regardez, il passe à 3 millions 3, 3. Pareil pour LM 3 millions 3. Fardeau de serment, il passe à 1 million 7. Titania passe à 2 millions 100. Grippe Fagin, poignet de Fagin. 2 100 000 Callisto, j'arrive pas à cliquer, ça y est. 2 4 000, donc regardez pour tout ce qui est. Euh, euh, J'ai oublié le nom. L'équipement, regardez. Damoclès, 2 7 000. Le casque de la folie que j'avais mis clic dessus, donc c'est bon, vous avez vu, je l'ai rattrapé enfin. 3 millions 000. Le bracelet de la lune pour tout ce qui est aura, 2 7 000. Boost de REM 2 ,7 millions 7 donc vous avez vu que ça augmente bien mes artefacts. C'est pour ça que je fais un tour d'horizon avec 5% sur tous mes artefacts quand j'augmente mon boss. Et généralement, c'est ce que je fais quand j'augmente énormément mon boss entre deux tournois, tout simplement. Voilà, pareil. Regardez, épée des royales 1 million 2. Pareil, 1 million 2. 1 million 2. xalorn pas beaucoup bougé parce qu'il coûte cher. C'est normal, c'est cheaté. Et en plus, lui, je très souvent donc il n'y a pas à prendre beaucoup. C'est logique. Regardez, il passe de 20 millions 2 à 20 millions 5. C'est quand même pas mal. Royal, je touche pas. Pendant, je touche pas. Je vais toucher à Rock. Je vais toucher à Parchemin du Clairvoyance et d'Eden. Donc là, j'ai passé en 25% pour augmenter Elixir d'Eden. Avant de faire ça, je vais relancer les compétences. Voilà. Ok. Donc là, Elixir d'Eden, je vais monter minimum 35%. Voilà. Le parchemin 35 aussi, si je peux, je ne pourrai pas. Donc je vais tout mettre dans le parchemin de clairvoyance. Et ce que je ferai après, je mettrai à jour. C'est ici. Voilà. Je mettrai à jour. Euh les artefacts en relation avec les compétences, je les mettrai toutes niveau 35 millions. Voilà. Après, j'irai chercher Duke Jaden de l'envahisseur, la carte de l'envahisseur. J'irai chercher du Calisto, j'irai chercher du Titania, j'irai chercher du Elheim. Je vais chercher aussi ça. Je vais chercher Cœur Tempête, Apollon, hyper important. J'irai chercher Orion aussi. J'irai chercher, j'irai chercher quoi J'irai chercher L'Avengeuse. Savo Sec aussi, c'est important. J'irai chercher Marteau de Livrogne. J'irai chercher aussi quoi euh, Bronze et compas, tous les dégâts, donc rétribution divine. Donc voilà, euh, je vais devoir, et aussi Pierre de Valry, mais bien entendu. Donc je vais devoir faire quand même pas mal de prestige pour espérer et essayer d'aller chercher. Mince, vous avez vu, j'ai cliqué sur mon... le tournoi, mais il y a une fée qui a apporté le poil. à chaque fois que je vais cliquer dessus, il y a toujours une fée. Donc voilà, je vais chercher tout ça, tout simplement pour aller chercher la première place. Je vous ne vous cache pas que ce tournoi, je le sens très mal, vu que j'ai énormément de retard par rapport à maxtage, et je pense que l'algorithme le, 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 prend en compte le fait que j'ai euh, mes shards, ces shards-là, et que je pourrais créer quelque chose de bien. Je pense, je vois que ça, parce que j'estime je, 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 et je pense, hein, voilà, être au petit niveau build. Euh, sachant que si je change pour un 16, j'irai peut-être pas aussi haut. Euh, si je change pour un pet, à ce niveau-là, je sais pas si c'est optique de le faire. Pour push, même pour push, hein, je parle de push. De, de, je parle de push là. Voilà. J'ai 19 points de compétence, donc peut-être que lui, ça aussi, il le prend en compte. Sachant que moi, je m'en fiche, moi, je veux aller chercher ce, celui-ci. Donc, il prend, je pense qu'il prend aussi ça en compte. Voilà. Voilà, voilà. Donc, ah eh oui, j'ai oublié. S'il to on ne prend rien là-dedans sauf les tout doux. Regardez, il y a un tout doux ici. Voilà. Vous avez vu euh, mon compte. On a tout vu. Malgré tout, ça a quand même mis 20 minutes pour vous faire tout ça. Voilà. 21 minutes. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Voilà. Comme d'habitude, si vous avez kiffé, n'hésitez pas. Le pouce bleu, ça fait zizir. Si t'es pas abonné, abonne-toi pour suivre la suite des événements. Et pareil pour le Utip. Si vous désirez soutenir la chaîne, le lien est dans la description. Vous allez vous mater quelques pubs. Ça soutient la chaîne et c'est totalement gratuit pour vous. Sur ce, je vous laisse. À vos tapes. Prêt? Parti!